voilà, vous avez les petits Salut comme il se doit, Xavier Macaire et Pierre Le Boucher qui vont venir nous rejoindre. Voilà, le tour remise par Gilles Agoutier avec Antoine Robin, la direction de la Transat Jacques Vabre, Normandie-Le Havre. Et puis je vais inviter Damien de Longueville qui représente l'association de Transat à Rennes. Ça bien sûr. Merci. Bravo messieurs, bienvenue à Fort-de-France, bienvenue en Martinique pour cette transat Jacques Vabre Normandie-Le Havre. On va pouvoir vous écouter dans quelques instants et profiter ici des quelques premiers mots. Ça va? Ouais. Surtout un coup pour demander. Hein. Ça passe. Bah merci pour les fruits déjà hein. Ouais c'est trop bien ça. Du bien. Ah ouais ça fait du bien. Colorant, c'est bon, c'est que vous avez passé 100 jours collés mais Ah on est passé collés. C'est la dernière fois. Non, c'est tu viens là, c'est un cadavre. C'est encore entre les deux là. Ouais c'est bien. Bon alors les gars, comment c'est arrivé cette sensation, ce passage de ligne. C'était chouette d'arriver quand même. Il faut quand même traverser. Hein. Non, c'est une belle transat en tout cas. Tiens, moi je me suis régalé. On a eu plein de conditions météo différentes. Franchement, c'était super intéressant. Voilà. Après, il y a eu des choix de route justement à faire. Qu'est-ce qui vous a poussé à. Ouais, c'est passé plein de trucs hein, sur cette transat. Hein. Il s'est pas passé une chose ou deux. Et c'est déjà dès le départ, il s'est passé beaucoup de choses. On était un petit peu en retard sur la ligne, et du coup, c'est parti par devant. Il y a eu plusieurs phénomènes météo à passer dans le golfe de Gascogne, au Cap Finistère, avec du vent assez fort, une mer très formée, très dure. On a beaucoup tiré sur le bateau. Beaucoup bricolé aussi, voilà. Du coup. On a bricolé, on a pas eu trop de chance. On a eu plein de petits tracas à droite à gauche, un balcon qui s'arrache, un truc qui marche pas. Pas mal de petits bricolages à droite à gauche. Mais bon, on a pris ça quand même de manière positive et constructive et réparer, refaire marcher le bateau et continuer d'avancer du mieux possible. Là, il y avait la dernière option, il y avait ceux qui sont partis plus au nord, plus au sud, et vous avez décidé de rester sur la route directe. Pourquoi? Ouais. Et comment en fait, ça s'est passé ces derniers jours, justement, tout seul, un peu dans votre coin? En fait, on a été un peu victime de notre place, parce que dans le petit groupe du nord, on n'était pas nombreux, mais on était devant. Et on était un peu victime d'être devant parce que nos routages nous faisaient retraverser, repasser sous la Molle et direction la Martinique. Et en fait, plus on avançait dans cette option-là, et moins ça passait parce qu'on était plus lent que les routages. Il y avait moins de vent, il y avait toujours moins de vent. Quand les routages nous donnaient 18 nœuds, on en avait 15. Quand ils nous donnaient 15, on avait 12. Quand ils nous donnaient 12, on avait 9. Et c'était tout le temps ça, toute la descente. Et donc on a fait que s'enfermer dans cette option de buter dans la Molle, alors que initialement, quand on a choisi de partir là, on avait des routages à 8 ou 10 heures devant. Devant les groupes du sud, quoi, devant Ambrosio, donc nous on y croyait à fond.
Ouais, c'est sûr qu'on a sur la stratégie, je suis hyper content de ce qu'on a fait. Je pense que si c'est à refaire, je veux pas trop. Enfin, avec les fichiers qu'on avait au départ, je pense pas qu'on aurait changé. Et ouais, on a, à chaque fois c'était toujours minimiser le risque, essayer d'être le plus propre possible parce qu'on a, on a vu qu'on arrivait à bien avancer sur la première partie, à reprendre le lead aux Canaries, donc en tout cas d'être dans le groupe de tête. Donc c'était chouette et ouais bah c'est les bourgeois de notre sport, c'est que tout n'est pas fiable quoi, donc voilà, la météo était pas comme annoncé sur les fichiers. Et... Ce qui est marrant quand même, ce qu'il faut dire, c'est que quand on était aux Canaries, on passe aux Canaries, on revient dans le groupe de tête avec Alberto et Mondio. Et là, nous, on était persuadés, bien en tête, que tout le monde allait partir au nord comme nous. Et au moment où on part au nord, on voit qu'ils en panne, qu'ils partent au sud. Et là, pour nous, c'était la surprise, quoi. On se disait, mais... Parce que là, on avait des routages qui donnaient 24 heures gagnants par le nord. Et on était assez persuadés que tout le monde allait faire comme ça. Et au moment où ça s'est séparé, c'était assez surprenant de voir que... maintenant, on y va, quoi. Et c'est des grosses options sur des transats comme ça. On part sur une option, c'est une option à 10-12 jours. Donc c'est engageant, mais c'est intéressant aussi. C'est hyper, hyper intéressant. Déstabilisant de voir justement les concurrents partir de l'autre côté. Non, comment ça se passe dans la tête à ce moment-là? Est-ce qu'on regarde plus la route des autres ou on... Ouais, de temps en temps, mais après ça va être intéressant de discuter avec eux pourquoi ils ont choisi le sud. Et d'autres pourquoi ils ont choisi le nord et qu'ils ont poussé à fond aussi. Donc, voilà, c'est... Et non, déstabilisé non, parce que à chaque fois qu'on a fait des choix, tous les choix qu'on a fait en avant, on était toujours plutôt dans le match, plutôt les bons choix. Donc, Et là, les dernières 24 heures, là, quand on s'est retrouvé un peu bloqué, vous dans une zone avec un peu moins de vent, comment ça se passait à bord du bateau? On continue de faire avancer le bateau, c'est la pétole, on avance à deux nœuds. On continue d'exploiter du mieux qu'on peut parce qu'on se dit, on sait jamais, on se doute bien qu'à ce moment-là, c'est fichu. Moi, ça faisait déjà un petit moment, je voyais quand c'était plus lent que les routages, je voyais la molle se créer devant nous et on allait se faire emprisonner dedans. C'est trop tard pour faire demi-tour et repartir en arrière, donc on peut que y croire et continuer d'être constructif et de travailler à faire avancer le bateau du mieux qu'on peut avec ce qu'on a. On peut que faire ça, donc on n'a pas changé. Enfin, moi, je trouve qu'on n'a pas changé notre manière de faire. On a continué de faire avancer le bateau comme et avec avec un petit peu de fatalité quelque part, de dire on s'est fait prendre dedans, mais quelque part. J'ai pas de regret parce que au moment où on a fait cette option, c'était une option pour aller gagner. Et on aurait sûrement regretté de ne pas la faire et de ne pas savoir si ça avait marché ou pas. Quoi, si ça aurait marché ou pas. Donc, un sentiment de joie sur tout de finir, déception, pas tant que ça. Un peu, forcément. Déception aussi du résultat, mais pas de la façon de naviguer. Quoi. Ouais, c'est ça, exactement. On pourrait être déçu parce que. Je pense que je serais plus déçu en me disant on a fait une bonne place, mais on a vraiment mal navigué. Là, je trouve qu'on a bien navigué. Je suis content. Enfin, en tout cas, je me raccroche à ça. Ouais, je suis tout à fait d'accord avec ce que dit Pierre. C'est déçu du résultat, on espérait mieux et on était en face de pouvoir faire mieux, mais pas déçu de ce qu'on a fait, vraiment pas. On s'est bien entendu. Ah, c'est chouette. Hein. C'était top. C'est toujours top. C'est bon. Bravo les gars. Bravo. Merci. Bravo. Bravo. Merci beaucoup.